Joël est faux. Il a dit qu'il ne voulait pas s'immiscer, mais je suis sûr que Jamila l'intéresse. Écoute-moi, Greg. J'en suis certain. Tu dois avouer la vérité à cette fille. Lui dire que l'enregistrement du CD est bidon, qu'il n'y a pas de photo. T'es dingue, pas question. Tu t'es mis toi-même dans ce pétrin, comment veux-tu en sortir? William, t'es mon frère, tu devrais m'aider. Comment? En revenant en arrière? Tu as inventé une séance photo. Tu n'as pas non plus communiqué à la radio l'offre de musique à Je ne peux pas céder à la pression de Joël, surtout maintenant que je connais son intérêt pour Jamila. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, c'est que Nuno m'a dit qu'il y avait d'autres candidats en ligne. Et tu crois qu'il parlait à propos de Joël? Et bien sûr que oui. Et je ne suis pas dans la course pour laisser la médaille à quelqu'un d'autre. Ok, c'est bon. Et comment tu vas t'y prendre alors qu'il n'y a rien de prévu à la radio pour elle? J'ai déjà un plan. J'ai juste besoin de choisir la bonne personne. Emmène ce CD à la régie, ok? Merci. Gregorio Chiala. Ça va, Duarte? C'est justement vous que je viens voir. À quel propos? Jamila Pereira. Je vais aller chez Nuno prendre quelques vêtements. Alors, tu ne retournes pas chez lui, c'est ça? Pourquoi? Je ne peux plus rester chez toi? Bien sûr que si. Mais je trouve que tu devrais lui parler. Vous devriez vous entendre, il est ton cousin. Oh, tu parles d'un cousin. Nuno s'est servi de moi pour faire du chantage à Greg. Tout ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent à n'importe quel prix. Jamila, tu sais, parfois il arrive qu'on blesse ceux qu'on aime le plus. Il ne s'est même pas excusé. Et faire des excuses, ma chérie, les hommes. Mais c'est une capacité qui n'appartient qu'aux femmes. T'as raison. Si ça t'ennuie pas, je reste encore un peu chez toi, Nahir. En tout cas, le temps de trouver comment pardonner la bêtise de mon cousin. Il a été bête, t'as raison. Mais tu es chez toi ici, d'accord? Tiens, c'est Greg. Je m'en vais. Fais comme chez toi. Ciao. Allô, Greg? Il faut que je te parle. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé quelque chose, mais je ne veux pas en parler au téléphone. Là, tu me fais peur. Est-ce que je peux passer te voir pour en parler? Ok, alors on se retrouve chez mon cousin Nuno. Tu es retourné chez lui? Non, mais je dois y aller prendre quelques affaires. À tout de suite. J'arrive. J'ai fait au plus vite. Je vois. Alors, qu'y a-t-il? Je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais t'asseoir. C'est sérieux. Dis-moi, Greg, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais même pas comment je vais te dire ça. Oh mon Dieu, c'est mon CD, c'est ça? Je suis allé à la radio. Ils ont annulé le shooting photo? Dis-moi alors, c'est ça? Non, non. La radio veut déjà tout lancer. Oh, sérieux? Et oui, ils veulent commencer à enregistrer les musiques, faire la promotion, les tests de voix, la publicité, tout. Génial, merci Greg. Ah, merci, je peux pas croire que tout ça arrive pour de vrai. Je devais te dire ça, de vive voix. Mon Dieu, et maintenant? Je dois boire du thé et faire des exercices. Oui, tu dois vraiment te préparer car ta vie à partir de maintenant va complètement changer. Et plus vite que tu ne crois, tu as le shooting photo aujourd'hui et demain, tu commences à travailler sur l'album. Je vais faire de toi la plus grande star de la musique angolaise. Souviens-toi bien de ça. Quand tu parles comme ça, je suis encore plus nerveuse. Ne t'inquiète pas, tu seras très bien entourée. Une équipe pour te coiffer, te maquiller. Ils vont me faire belle. Plus que maintenant. Je ne sais pas si c'est possible. Mais bon, alors je passerai te chercher chez Nahir. Non, pas besoin, j'y vais direct. Excusez-moi, mademoiselle, mais je suis encore votre agent. Mon agent, pas mon chauffeur. Je peux me débrouiller, Greg. Bien, je suis à votre service. Ok. À plus tard. À plus tard. Elle est bien naïve. Après toi. Alors, est-ce que le bureau te plaît? C'est moderne, sophistiqué. C'est comme ta maison, Joël. C'est beau. Tu pourras avoir une plus belle maison si tu voulais. Oh, je te remercie pour ta générosité, Joël. Mais tu connais déjà mon opinion là-dessus.
Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi vous ne me laissiez pas vous en offrir une autre. Vous pourriez vivre dans un meilleur endroit, plus confortable. J'aime beaucoup ma maison, Joël. C'est là que nous avons emménagé après la mort de Nzola. C'est là que j'ai recommencé ma vie. Je pense simplement qu'il faut prendre le temps d'y penser. Accepte ma décision, s'il te plaît. Je n'ai plus la force de déménager à nouveau. Ok, d'accord. Mais la proposition tient toujours. Maintenant, raconte-moi, Walter. Il est toujours aussi envahissant qu'un enfant de 5 ans. C'est lui, maintenant, qui est content de travailler avec des enfants, avec les petits. Ah, mais alors il n'est plus agent artistique. Pire, il veut être l'agent des enfants. Il veut les transformer en stars de la musique. Et il croit que Musicao va les lancer sur le marché. Eh bien, s'ils ont du talent, pourquoi pas? Le plus surprenant dans cette histoire, c'est l'intérêt de Bianca dans la carrière de ses neveux. Bianca soutient l'idée de son père. Un peu qu'elle le soutient. Tu crois qu'elle prépare quelque chose? Ça, c'est certain. Je ne vois qu'une raison pour qu'elle soutienne le plan de son père. L'infiltrer ici dans mon entreprise. Ça m'est passé par la tête, mais... Non, non, ne t'inquiète pas. Ils peuvent venir. Je vais encore bien m'amuser avec toute cette histoire. Oui. Mais je ne sais pas si cette idée va vraiment marcher, parce que Carlos est complètement contre. Mmh. Cet enfoiré d'Antonio n'abandonne pas. Je t'ai déjà dit de me laisser tranquille. Arrête de m'appeler, tu entends? Ça suffit. Ah, tu as raccroché. Tu veux pas parler au téléphone? Eh ben, on va parler face à face. Des contrats à archiver, s'il te plaît. Et en échange, voilà tous les contrats à vérifier. Écoute-moi, si quelqu'un appelle, dis qu'aujourd'hui, je ne suis pas au bureau, d'accord? Mentir, c'est moche, Carlos. Tu fuis quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais là, Antonio? Écoute, Carlos... Il faut qu'on parle tous les deux. Et pas aujourd'hui, je peux pas, mon agenda est plein, pas vrai, Clyde? C'est important. Tu es sûr que tu n'aurais pas quelques minutes à m'accorder? Impossible, aujourd'hui je ne peux pas. Je te rappelle et on en parle, d'accord? Écoute, je suis venu jusqu'ici et ce n'est pas pour rien. Tu vois peut-être ce que je veux dire. Non. Écoute, si tu ne veux pas parler en privé, on va devoir discuter ici devant tout le monde. Tu n'en es pas capable. Tu es prêt à parier? Et Clyde, est-ce qu'on a un bureau de disponible? Greg n'est pas encore là et Bianca est sortie. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. On y va? On y va. Merci. Je vais y arriver. Il doit y avoir un moyen d'obliger Carlos à laisser les petits chanter. Oui, il doit y avoir un moyen. Si Anna et Daniel prennent des cours de musique et qu'ils chantent bien, Musicao va s'en occuper. Oui, ils peuvent obtenir un contrat avec l'entreprise de Joël. Vanessa, bonjour, Léco. Et si au lieu de répéter tout ce que je dis, tu pensais à une solution? Je réfléchis, Bianca. Carlos est ton mari. Tu n'as pas un petit secret sur lui? Tu sais, hier, j'ai essayé d'utiliser l'art de l'épouse, mais ça n'a pas marché. C'était pas le jour de toute façon. C'était pas le jour, pourquoi? C'était pas le jour de l'amour. Essayer de le séduire dans un mauvais jour, c'était une mauvaise idée. Attends, ne me dis pas que vous avez des bons jours pour faire l'amour? Oui. Il y a un jour de la semaine? Un jour par semaine? Oui. Combien de fois est-ce que toi et Greg vous faites l'amour par semaine? Tous les jours. Plusieurs fois par jour, parfois. Tous les jours? Sérieusement? Mais tu as un problème, tu n'aimes pas. Quand on fait l'amour, c'est vraiment très bon. Mais moi aussi, je trouve que c'est peu. Vanessa, c'est pas peu, c'est une misère. Moi, je vais te dire comment les couples normaux fonctionnent. Tu vois? D'accord. Donc, ah oui, on termine, n'est-ce pas? Pendant le dîner, on termine... Tout va bien, Carlos. C'est mon bureau ici, ou bien... Non, bien sûr que oui, Greg. On a terminé ici, nous... Attendez, votre visage me dit quelque chose. Nous nous connaissons, non? Antonio doit partir. Ah, Antonio, ton ami le juge, c'est ça? Je crois bien qu'on s'est rencontrés l'autre jour au dîner à l'hôtel. Oui, tout à fait. Excellente mémoire. Antonio Lopez. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Il y a un problème? Non. On y va? Excusez pour le dérangement, tout ceci est de ma faute. C'est mon anniversaire et j'ai invité Carlos à ma soirée privée. Je ne voulais pas parler d'un sujet aussi personnel devant les autres.
Voilà, maintenant, tout s'explique. J'ai été retenu. N'oublie pas, ce soir à l'hôtel Wanda Gold à 20h, je compte sur ta présence. Ça marche. À plus tard. Ce fut un plaisir. Également. Bien, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Une soirée privée dans un hôtel? Est-ce que c'est ce que je pense? Parce que tu penses à quoi? Oh, alcool, femme, costume. Antonio, c'est un bon vivant. Il aime bien ce genre de soirée. Tu sais comment c'est, hein? Toi, tu y vas juste parce que tu es obligé, c'est ça? Aussi parce qu'il m'a beaucoup aidé avec les cours. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'y vais, je bois un truc et je m'en vais. Tu sais comment c'est, non? Oui, je sais, en effet. Bon, moi, j'y vais. D'accord? À plus tard. Kim, ça fait un moment maintenant. Jamila aurait déjà dû m'appeler. Tu as juste parlé avec Greg. Il a eu tout le temps nécessaire pour dire à Jamila que le CD est en retard à la radio et qu'il n'y a pas de shooting photo. Tu crois qu'il l'a fait? Il n'a pas d'autre option. S'il ne lui dit pas, moi je le ferai d'ailleurs. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'occuper de ça maintenant. Allô, Jamila? Ça va bien, Joël? Écoute, j'ai pas beaucoup de temps pour parler maintenant. Tu vas sortir? Je dois me préparer. J'ai un shooting photo dans pas longtemps. Shooting photo? Jamila, tu ne vas nulle part. Tout ça, c'est un coup monté. Un coup monté? Je vais venir te voir, je vais tout t'expliquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends-moi, s'il te plaît. Il continue de lui mentir? Je vais en finir avec cette histoire dès maintenant. Joël? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps, là. J'ai ce shooting photo. Il n'y a pas de shooting photo, Jamila. Comment ça? Où est-ce que tu parles? La radio n'a rien organisé, même pas l'enregistrement de ton CD. Mais si, Greg, il n'a même dit pas que... parlé à Super Luanda FM de ma proposition que tu ailles chez Musicao. Tu sais quoi, t'es énervé parce que la radio ne m'a pas laissé aller avec toi. Non, non, ce n'est pas ça. Joël, Greg m'a dit que tout était OK. Demain, mais je vais Greg même commencer les enregistrements. Mais Greg te ment, Jamila. Crois-moi, à la radio, ils ont décidé de tout arrêter. Et je peux savoir comment est-ce que tu sais tout ça? Ne me le demande pas, je le sais, c'est tout. Tu m'excuseras, mais ça n'est pas une bonne réponse. Écoute, crois en moi, Jamila. Allez. Joël, si tu veux pas me le dire, moi non plus, je vais pas attends, perdre attends, mon temps. Attends, tu calmes, attends. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais à la radio découvrir qui dit la vérité. Jamila, s'il te plaît, écoute-moi. Jamila. Excusez-moi. Oui, monsieur. Vous pourriez me donner un renseignement, s'il vous plaît? Oui, si je peux. Est-ce que monsieur Duarte est là? Il faut qu'on parle avec lui maintenant. Attendez un moment, s'il vous plaît. Je vais l'appeler. Excusez-moi. Merci. Merci. Jamila, toi ici. Comment ça va, Joël? Jamila a une question à vous poser. Oui? J'ai su que mon CD était en suspens. Et apparemment, il n'y a aussi rien de prévu pour la promotion de l'album. Duarte, j'ai besoin de savoir la vérité. Greg, mon agent, est-ce qu'il me ment? Je ne comprends pas bien. Où est-ce que tu veux en venir, Jamila? Ce qu'elle veut dire, c'est que son agent lui a dit que le CD avançait bien, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est que j'ai eu un doute avec mon ami? Oui, en parlant avec mon ami, j'ai découvert que le shooting photo n'aurait pas lieu non plus. C'est vrai? Non. Le shooting va bientôt commencer. Comment ça, vous rigolez, là? Vous m'avez bien dit qu'il n'y aurait pas de shooting photo du tout, que le CD était en suspens. Et qu'ici, aucune radio n'a parlé de l'intention de Musicao d'enregistrer avec Jamila. Alors qu'est-ce qui a changé? Juste un problème de communication, c'est tout. Un problème de communication bien arrangeant, hein? Joël, laisse Duarte parler. Tout est organisé. C'est moi qui ne savais pas. Pour le shooting photo, les tests de voix, le CD est en phase de pré-production. Donc je peux aller maintenant au studio de photo? Il vaut mieux te dépêcher. D'accord, merci et pardon pour le dérangement. Pas de problème. Jamila, attends. Jamila, il faut qu'on parle. Pourquoi est-ce que tu as menti? Pourquoi t'as accusé Greg pour m'attirer vers ta maison de disques? Jamila, je t'ai dit ça parce que j'avais peur qu'il te fasse du mal. Et mentir et me faire passer pour une idiote, c'est quoi? C'est m'aider? La dernière fois que j'ai parlé avec Duarte, il m'a laissé entendre que apparemment rien n'était vraiment organisé. C'est pour ça que suspicion, je soupçonnais... Suspicion, ce n'est pas une preuve. Tu n'as entendu que ce que tu voulais. Bon, d'accord. C'était un problème de communication. Je veux bien croire que c'est ce qui s'est passé. La prochaine fois, tu ferais mieux de tirer tes conclusions sans m'inclure dans tout ce bazar.
Et maintenant, excuse-moi, j'ai un shooting photo. Jamila, tu calmes. S'il y a bien quelqu'un qui n'a jamais voulu te blesser, c'est moi. On n'obtient pas toujours ce que l'on veut. Écoute, s'il te plaît, ne te mêle plus de ma carrière. Greg est mon agent, pas toi. Allô, Greg? Qu'est-ce qui se passe, Jamila? L'équipe est prête, tout le monde t'attend ici. Où est-ce que tu es? Désolée, je suis en chemin. À tout de suite. D'accord. Jamila, écoute-moi. Je n'ai pas une minute de plus, j'ai déjà perdu beaucoup de temps avec cette histoire. D'accord, mais on peut en parler. Ciao, Joël. Quoi? Ce Duarte a d'abord dit que le CD était en suspens et maintenant il dit que tout avance bien. C'était soi-disant un problème de communication, de pauvres excuses. Il s'est tout simplement moqué de moi du début à la fin. Mais réfléchis, Joël. Si ça se trouve, tu avais mal compris. Kim, je parle plusieurs langues, mais le portugais, c'est encore ma langue maternelle. Il a dit que Greg ne mentionnait pas notre intérêt pour Jamila, que son CD n'allait pas avancer si vite et qu'il n'y avait même pas de shooting photo. Mais comment une radio peut changer d'avis d'un jour Kim, à l'autre? Kim, il s'est passé quelque chose. Je l'ai bien vu quand il a commencé à parler. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je sais bien qui est derrière tout ça. Greg. Il a fait quelque chose pour que les choses à la radio changent. Et celui qui a mal fini dans cette histoire avec Jamila, c'est moi. Enfin, Jamila, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'imagines pas, j'ai essayé de venir. Tu m'expliqueras après. Tu es super en retard et l'équipe tout entière t'attend. Écoute, si ça se sait, tu auras une très mauvaise réputation professionnelle, tu entends? Désolée, mais je n'ai pas pu sortir plus tôt et après j'ai... Allez, viens, je vais te présenter à l'équipe. Tu dois te préparer. Viens. Super. Ok, c'est joli. Ouais, c'est joli, ça rend bien. Moins de lumière, là, moins de lumière, moins de lumière. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, s'il te plaît, vas-y. Voilà, ville shooting joli. Vas-y, plus osé. Sem ninguém pra me acudir. Allez, lâche le bras, lâche. Voilà, plus osé, plus osé. Mets-toi plus à droite. Star. Regarde comme t'es jolie, c'est pas mal, non? Allez, mets-toi plus à droite. Allez, ce sourire lumineux pour terminer. Voilà, c'est parfait. Alors, ça s'est bien passé? J'ai adoré, mais c'est l'opinion du professionnel qui importe. Regardez par vous-même, l'image parle d'elle-même. C'est une beauté, non? Très photogénique. Ces photos vont faire un tabac. Je le savais. Depuis la première fois où je l'ai vue, jolie, avec une voix merveilleuse. Je pourrais rester là toute la journée à écouter les éloges, mais la session de diva est terminée. Excusez-moi, je vais me changer. Voilà ta rétribution. Tu pensais que ce serait la radio qui paierait? Peu importe qui paie, l'important, c'est ce qu'il y a dedans. Mmh. On est d'accord? Ok. J'ai adoré l'expérience, Greg. Être mannequin d'un jour, c'était très marrant. Et ce n'est que le commencement. Demain, on a les tests de voix, n'oublie pas. La voilà, la vraie épreuve. Mais j'ai déjà regardé sur Internet d'été pour relaxer les cordes vocales. Pour moi, Jamila, tu n'as besoin d'aucun de ces trucs. Tu as une très jolie voix. Je vais finir par rougir avec ces éloges. Je ne dis que ce que je vois. Greg, je... Je t'écoute. Je te remercie beaucoup. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Les photos sont très jolies. Un travail rapide et de bonne qualité.
Effectivement. Notre accord est bon pour tout le monde. Je paie pour accélérer l'enregistrement du CD de Jamila. Je sais, je sais. Nous devons juste dire que la radio avance bien avec le projet. Si je vous avais attendu, j'aurais perdu Jamila contre Musicao. Enfin, Monsieur Gregorio, nous avons d'autres priorités. Nous allions lancer le CD, oui, mais à une autre échelle. Ça, c'est une autre histoire. Il se trouve que Jamila est arrivée en retard au shooting photo parce qu'elle est venue demander des explications. Oui, elle est venue avec Monsieur Joël Capala. Mais j'ai fait exactement comme on avait dit. Parfait, c'est parfait. Jamila m'est éternellement reconnaissante. Et je veux que ça continue comme ça. Ce que je n'aime pas dans cette histoire, c'est que je dois mentir. Mais le plus important, c'est qu'avec votre investissement, la radio va mettre le CD sur les ondes sans dépenser un sou. Demain, nous procéderons aux essais-voix. Jamila va passer beaucoup de temps ici à la radio, donc faites attention. Personne ne doit se douter que je suis derrière tout ça. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Chérie, tu te prépares? Tu vas sortir? J'ai un rendez-vous, j'ai pas envie. Ah bon? Alors n'y va pas. Tu es si beau. Je t'ai déjà dit que tu étais très sexy. Vanessa, si tu as quelque chose à dire, dis-le, d'accord? Je suis pressée. D'accord. S'il faut aller droit au but, alors... du calme. Pas maintenant, c'est pas le jour. Carlos, mon amour, on devrait revoir toute cette histoire de jour défini. Moi, je ne vois pas très bien pourquoi on fait ça. D'accord, allez, lâche le morceau. Carlos, je crois qu'on devrait plutôt jouer sur la spontanéité et faire l'amour quand on en a envie. Impossible, on a toujours fait comme ça. Carlos, il y a des couples qui n'ont pas de jour exprès pour ça, tu sais. Pourquoi est-ce que nous, on devrait en avoir un? C'est comme ça, il y a des femmes qui cuisinent pour leur mari tous les soirs et d'autres qui achètent une paire de chaussures par an. Quoi? Quelle misère. Tu vois, attention avec tes comparaisons, hein? Bon... C'est que j'en ai parlé avec Bianca, elle et Greg, ils ont toujours envie... Attends, tu veux me donner un ulcère, là? Arrête de parler de la vie sexuelle de ma sœur, s'il te plaît. Je me suis renseignée, et c'est pas seulement eux. Mon amour, nous, on n'a rien à voir avec tout ça, on est heureux comme ça, non? Non, on pourrait être encore plus heureux, non? Vanessa, aujourd'hui, c'est pas le jour. Aujourd'hui, c'est pas le jour, d'accord? Je suis pressée, désolée, je dois finir de m'habiller. C'est vrai, oui. Tu parles, et je n'ai toujours pas compris où est-ce que tu vas. Je t'ai déjà dit, résoudre un problème. Carlos, Besport est fermé, les tribunaux aussi. Quel genre de problème tu vas résoudre à cette heure-là? Dis-moi. Un problème diplomatique avec une personne ennuyeuse. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ça, mon karma. Qui est cette karma? Je la connais. Oh, Vanessa, je vais voir un client de Besport qui veut que je résolve un problème avec lui, d'accord? Quelque chose de personnel. Eh bien, t'aurais dû te marier avec tes clients. C'est qui, alors? C'est ce client ennuyeux, là. Mais je sais déjà comment je vais résoudre ce problème. Une bonne fois pour toutes. Bonsoir. J'y crois pas. Mon frère Carlos va à une soirée avec des femmes. Oui. C'est l'anniversaire de son ami, le juge, Antonio Lopez. Je ne vois pas qui c'est. Je crois qu'il a aidé Carlos pour son cours de droit. Et ils vont faire la fête. Et ton frère, menteur comme toujours, a dit qu'il allait juste boire un verre et rentrer à la maison. Comme si j'allais le croire. Je parie que Vanessa ne sait rien de tout ça. Bien sûr que non. Mais vraiment, tu crois qu'il dirait à sa tendre épouse qu'il va à une fête où il y aura de l'alcool et des femmes? Et tu sais où elle est, cette fête? Ce sera à l'hôtel Luanda Gold. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Qu'est-ce que tu vas faire, Bianca? Je vais prendre Carlos sur le fait... C'est exactement ce dont j'ai besoin pour l'obliger à laisser ses enfants travailler pour l'entreprise de Joël. Attends, tu vas utiliser cette fête pour faire du chantage à Carlos, c'est ça? Je dois savoir ce que Joël manigance, et pour ça j'ai besoin d'infiltrer Musicao. Enfin, tu es complètement folle, Bianca. Ciao. Tu sors à cette heure-ci, Bianca? J'ai un problème urgent à résoudre. Important pour toi ou important pour nous? Oui, tu as réussi à convaincre Carlos de laisser les petits avoir des cours de chant. Et jusqu'à maintenant, rien. C'est exactement ce que je vais résoudre maintenant. Et comment tu crois que tu vas réussir à convaincre ton frère de laisser les petits y aller?
Tu abuses, Carlos. J'y crois pas. Regarde, Walter, tu dois lire cet article dans Divo. Ça parle des tendances mode africaines. Soria, j'ai pas la tête à lire. Ok, mais tu devrais. C'est très intéressant. Oh. Ah, Greg, tu sais où est-ce que Bianca est allée? Elle a dit qu'elle allait convaincre Carlos de laisser les enfants chanter. Sortir à cette heure-là à cause de ce genre d'histoire? Tu sais ce qu'elle est allée faire? Ne vous inquiétez pas, Walter. Si elle a dit qu'elle allait trouver une manière de convaincre Carlos, c'est qu'elle va le faire. Votre fille n'obtient-elle toujours pas ce qu'elle veut? Bonsoir. Pouvez-vous m'indiquer la chambre de Monsieur Antonio Lopez? Et qui dois-je annoncer? Non, c'est rien du tout. Vous voulez gâcher la surprise? Monsieur Antonio Lopez est monté avec un autre homme. Il est dans la chambre 504. Parfait. J'adore les rencontres pimentées. Merci. De rien. Excusez-moi. Je peux vous aider? Oui, je viens parler avec mon frère. Désolé, mais j'ignore qui est votre frère. C'est l'homme qui est ici. Hé, hey, vous ne pouvez pas rentrer ici comme ça! Trop tard, et désolé d'interrompre votre petite fête, les filles. Bianca. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je vais tuer Greg. Je suis allée à l'hôtel perdre mon temps et je suis encore passée pour une idiote. Je ne comprends pas. Antonio a invité ton frère devant moi. Il a donné le nom de l'hôtel. L'heure de la fête, tout. Tu es un bon à rien. Tu n'as rien compris. Cette histoire est vraiment bizarre. Le pire, c'est que j'ai perdu l'opportunité d'obliger Carlos à accepter les cours pour les enfants. Tu as pensé à abandonner? Ce sont ses enfants. Je ne connais pas ce verbe. Je vais régler cette histoire d'une autre façon. Bianca sait ce qu'elle fait. Si elle a dit qu'elle allait convaincre Carlos de laisser les enfants chanter, eh ben, je crois en elle. Alors pourquoi tu es si nerveux? Passe-moi le sucre. Oui, tiens. Bonjour. Bonjour, ma fille. Justement, on parlait de toi. Alors comment ça s'est passé hier? Je veux Amadeo ici cet après-midi. Je le savais, tu as réussi. Je sais que c'est pas normal, mais cette fois, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Pas encore. Non. Mais alors pourquoi est-ce que je dois appeler le professeur de chant? J'ai parlé avec Vanessa. Et les cours de chant vont pouvoir commencer avec ou sans l'approbation de mon petit frère. Exactement, oui. Vous allez prendre des cours de chant en cachette. On va mentir à papa?
Ça va être génial, ça va être comme une mission secrète. Les cours seront chez votre tante Bianca et pas un mot à papa, d'accord? Tu nous as toujours dit que mentir c'est moche, qu'on serait punis. C'est une urgence, Anna. Et si tu dis quoi que ce soit à ton père, je jure que je ne recyclerai pas même une bouteille en plastique, ok? Maman, la planète ne doit pas souffrir à cause des folies de notre famille. Bonjour les enfants. Bonjour papa. Chérie. Bonjour et au revoir. Allez les enfants, dépêchez-vous, c'est l'heure d'aller à l'école. Allez et faites attention. Hein. Daniel, tu manges sur la route, ok? Portez-vous bien, hein? Tu sais quel jour on est? Mercredi. Passe-moi le lait, là, s'il te plaît. Merci. C'est notre jour. Tu as dit hier qu'on passerait une nuit merveilleuse. Notre jour? J'ai complètement oublié, mon amour. Je te demande pardon. Eh bien, moi, je ne pense qu'à ça. Bon, je dois y aller. Termine de manger, chérie. Je suis déjà en retard. Bonne journée à toi. D'accord. Bisous. Ciao. Les plaisirs du sexe, c'est exactement ça. Ma fille qui lit. J'ai peur, maman. Oui, je lis. C'est quoi le problème? Lire n'apporte pas de problème, que des avantages. Mais tu vois, ma fille, ce n'est pas le meilleur choix. Ça parle de sexe de manière très théorique. Si tu as des doutes sur la pratique, il vaut peut-être mieux en parler avec moi. S'il te plaît, qui est-ce qui parle de sexe avec sa mère? Ma fille, si ça te dérange, imagine que je suis ta psychologue. Tu peux dire ou demander ce que tu veux. Bon, je veux juste savoir une chose. Tout ce que tu veux. Quand tu avais mon âge, maman, toi et papa, combien de fois est-ce que vous, tu veux savoir à quelle fréquence ton père et moi nous faisons l'amour, c'est ça? Oui, c'est ça. Ton père et moi, nous avons toujours eu envie d'être l'un avec l'autre depuis quand? Je veux juste un nombre, passe-moi les détails. Plusieurs. Mais pourquoi le nombre est si important? Je pensais que tu avais des doutes. Je n'ai pas de doutes, j'étais juste curieuse. Bye bye. Je suis épuisée. Ces jours-ci ont été si fatigants. Mais c'est bientôt fini. J'ai tellement hâte de commencer à étudier à Sainte-Agnès. Le Seigneur Dieu a entendu mes prières. C'est moi qui devrais apprendre à parler avec lui. Je demande, mais personne ne m'aide jamais. Ils vont tellement me manquer, mon équipe de basket et tous mes amis. Oh, tu devrais être heureux, chérie, parce que notre vie maintenant va être comme une tarte fourrée au chocolat. Délicieuse. Eh ben dis donc, je ne te connaissais pas cet attrait pour le chic rose. Le chic, ça aurait été d'y aller en avion, comme dans les films. Hein. Ne dis pas ça, j'ai déjà réussi à changer de voiture. Elle est très confortable, alors arrête avec tes blablabla, s'il te plaît. Allez, Jordan. Je veux pas rater mon dernier jour de cours à l'université. Je vais en profiter pour faire mes adieux aux professeurs et à mes amis. Aujourd'hui, on devrait pas avoir cours, c'est une blague. Allez, bonne journée. Je vais aller fermer le bureau. À plus tard. Mec, elle est puissante cette voiture, elle va supporter le voyage. Je suis déjà venu avec de loin date, t'as oublié? Encore heureux. Je ne veux pas avoir à pousser ta voiture puissante pendant le voyage. Tu as déjà dit à Nahir que tu arrives demain? Non. La dernière fois, elle m'a raccroché au nez, tu sais. Mon ami, il faut savoir apaiser les tensions. Je sais. La première chose que je vais faire en arrivant, c'est parler avec elle. Allez, on y va. C'est parti, mon vieux. On sort. Besoin d'aide? Aide-moi un peu. Oh, le gros tas. Et ça te fait rien. Le gros tas, tu pèses, hein? C'est pas vrai. Entrer dans une voiture comme ça, oh, je te jure. Mmh.
vibe. Let yourself go. Put the music on flow. Deixa te levar. Let yourself go. Put the music on flow. Não quero pensar em nada. Vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer conto de fadas. Já vazaram. As quijilas já vazaram. Take me away. Let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa-te levar. Let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar. Let yourself go. Podemos ir com o flow. Pensar em nada. Vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer conto de fadas. As quijilas já vazaram.